Voici en présence des reliques du Saint Curé d'Ars, de ce cœur qui a été rempli de la charité sacerdotale. Devant ce cœur, nous nous souvenons qu'en ce temps de carême, nous demandons à Dieu de changer notre cœur de pierre en cœur de chair. Que le curé d'Ars nous aide à avoir recours au sacrement de réconciliation, à accueillir la miséricorde et le pardon de Dieu, pour que notre cœur, peu à peu, comme il l'aurait dit, devienne liquide, tellement il est plein d'amour. Changez vos cœurs, comme on le dit dans ce temps du carême. On dit, Seigneur, donne-nous un cœur nouveau, enlève notre cœur de pierre, mets à la place un cœur de chair, rends notre cœur semblable à celui du curé d'Ars, qui était rempli de l'amour du Seigneur et des autres. Voilà ce qu'on peut demander. En part et d'autre de l'Église, des prêtres en nombre pour vous donner le sacrement de réconciliation. Vous savez que le curé d'Ars, on dit qu'il passait de 16h à 17h par jour, dans le confessionnal. Bon Dieu, venez en moi, que je demeure en vous. Je veux m'abandonner. Aujourd'hui, notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Oh,
rappeler ce que nous avons tous en mémoire, la visite de Benoît XVI ici à Paris en septembre dernier, et surtout le vibrant appel aux vocations qu'il avait lancé à l'adresse des jeunes de France. Je pense que vous saurez vous en faire l'écho parmi nous en cette année du prêtre, en présence des reliques de Saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars. Merci beaucoup, Monseigneur, de célébrer cette Eucharistie avec nous, pour nous. Jean-Marie Vianney, apôtre de la pénitence, priez pour nous. Saint Jean-Marie Vianney, tourmenté par l'enfer, priez pour nous.